It's alive. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. You must help me. You must. You're my only hope. You must. I'll help you. I promise. You better back up, pal. Your move, creep. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de L'œil dans le rétro, troisième épisode. Donc toujours le même principe, on va parler de classiques et cette fois-ci de classiques, enfin on va dire de petites perles du cinéma italien qui viennent de sortir en DVD il y a peut-être deux trois mois déjà. Et donc on va parler un peu de Giallo. Donc Giallo, c'est un film policier italien très connu, j'espère. Et on va parler un petit peu de deux films qui sont sortis là récemment en France, dont un qui était jamais sorti au cinéma. Et pour en parler, je suis avec Fabien. Comment ça va, Fabien ? Ça va, Romain. Bonjour à tous. Ça va, ça va. Écoute, c'est cool parce qu'on va parler de Giallo et c'est toujours intéressant parce que c'est un peu un sous-genre du cinoche d'exploitation italien qui réserve un paquet de petites perles, en fait, hein, de films un peu intéressants et tout. Moi, je suis ravi d'en parler parce que c'est un genre auquel je ne suis pas vraiment rompu. Donc, je découvre vraiment des choses assez, assez intéressantes et vraiment superbes. Exactement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le Giallo, bon, bah, les plus connus, ça reste Dario Argento avec Les Frissons de l'Angoisse et L'Oiseau au plumage de cristal. Donc, des films un peu post-Hitchcockiens et avant le slasher, on va dire, qui sont un peu entre les deux. Donc, c'est des films très lyrique, très visuel, où on mettait beaucoup en scène le meurtre. Alors on dit souvent le meurtre de femmes et des femmes, mais là c'est surtout les giallo d'Argento ou qui suivent Argento, c'est surtout des meurtres en fait, surtout des meurtres avec une enquête. Et à la base, le giallo, c'est comme les séries noires en France, c'était des petits romans donc avec une couverture jaune. Giallo jaune. Giallo ou Gialli, voilà, Giallo jaune. Un Giallo des Gialli. Exactement. Et donc, il y a plein d'histoires, et notamment des histoires totalement, des intrigues policières, avec souvent un tueur, qui est le tueur. L'histoire est quand même de savoir qui l'a fait, donc qui a tué qui, et ensuite on a une intrigue policière avec toujours plusieurs personnes qui se font tuer. Donc on va dire que ça serait des sortes de thrillers littéraires. Je dis ça par exemple parce qu'il y a Le Chat à neuf queues, qui est le deuxième film de Dario Argento, qui est pas très bien, mais qui est ultra classique. Et pas du tout dans le côté un tueur qui tue que des femmes. Ça peut être des hommes, etc. Et justement, là, on va parler de deux films. Donc, je vais donner les titres déjà. L'affaire de la fille au pyjama jaune et Journée noire pour un bélier, qui sont donc deux films qui suivent justement le courant du giallo, parce qu'il y a eu plein de films de giallo qui ont été faits après le succès de L'Oiseau au plumage de cristal d'Argento. Et c'est intéressant parce qu'on a un peu deux films très différents qui arrivent à des périodes aussi assez différentes. Donc on a le Journée noire pour un bélier qui est en fait le premier qui va suivre en fait un peu les pas de Dario Argento et surtout de L'Oiseau au plumage de cristal. Donc des films, d'ailleurs Journée noire pour un bélier, c'est toujours ces titres un peu exotériques avec toujours un animal qu'on ne sait jamais d'ailleurs pourquoi. On évoque cet animal, parfois les excuses sont assez... c'est un peu à la limite du foutage de gueule, mais c'est pour vendre le film. Donc là, on a un giallo qui a été produit, d'ailleurs, ils le disent dans les bonus qui sont assez intéressants, pour suivre le succès de L'Oiseau au plumage de cristal. Vas-y, tu peux en parler un petit peu. Oui, c'est arrivé par qui déjà? C'est un film de début de cycle, hein, on va dire. Ouais, voilà, puisqu'on a, comme tu disais, celui-là, c'est un film de début de cycle, et l'autre, l'affaire de la fille au pyjama jaune, c'est plus un film de fin de cycle, fin de genre. Bah, en fait, celui-ci donc, a été réalisé, donc Journée noire pour un bélier, qui était réalisé en 1970, donc il est réalisé par Luigi Bazzoni. Luigi Bazzoni, voilà, que je ne connaissais pas, mais c'est vrai que en fait, vu qu'on est dans la veine du film d'Argento, il est carrément allé chercher le chef-op de L'Oiseau plumage de cristal, donc Vittorio Storaro, qui d'ailleurs fait l'objet d'un entretien. Oui, en bonus, ouais. Où il alterne, donc on alterne lui et Franco Nero, ouais, qui parle de la production du film. Qui parle en fait que c'était plutôt des potes, des amis d'enfance. Oui, c'était une bande en fait. Le réal et tout. Et l'acteur, il faisait des courts-métrages ensemble quand ils étaient jeunes. Tout à fait. Et clairement, le réal fait le film parce qu'en fait, il peut pas faire autre chose. Il a fait un western italien, je crois, juste avant. Ouais. Mais en fait, il a du mal, quoi. Et donc, il fait ce film parce qu'on lui propose. Mais c'est intéressant parce qu'il va y trouver un angle un peu intéressant.
Donc le héros, effectivement, c'est Franco Nero. Franco Nero, il est interprété par Franco Nero. Franco Nero, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le héros de Django, le premier Django. C'est un acteur fétiche du cinéma d'exploitation italien. C'est vraiment un shérif, c'est geek, comme ils disent dans certaines émissions, mais c'est vraiment un personnage intéressant. C'est un beau gosse, c'est un type qui a des yeux bleus assez hallucinants. Et d'ailleurs, dans Django, dans la première partie de Django, ils ne font que parler de ses yeux. C'est ça. Et d'ailleurs, on le voit dans le Django Unchained de Tarantino. Il joue Django. D'ailleurs, il joue une sorte de version de Django. Il est là durant le combat d'esclaves et il a un dialogue avec Jamie Foxx. Un film que j'adore avec lui, c'est Keoma. Oui, Keoma, qui est un de ses westerns où il joue un Indien qui est super bien. Mais Sergio Solima, bonjour, on en parlera aussi. Non, ça c'est ah non, Enzo, c'est pas Sergio. C'est Enzo Castellari. Ah merde. Ouais. On parlera aussi d'Enzo Castellari un jour, si vous voulez. Mais donc voilà, et Franco Nero, c'est vraiment un personnage très charismatique. Et là, c'est intéressant parce qu'il est tout en moustache, une grosse moustache. Comme ça, c'est un enquêteur. C'est intéressant parce que c'est un journaliste. Donc pas un flic, parce que souvent c'est souvent des Andrea Bild. souvent dans les giallo pour faire venir pour vendre le film à l'international, c'est toujours un étranger qui se retrouvait dans un qui passait là et qui se retrouve à assister à un meurtre. Oui, C'est souvent ça. Ou alors ça se passe dans une espèce d'Italie alternative où ils s'appellent tous Oui, Walter, John. Donc souvent c'est ça, c'est un compositeur souvent chez Argento, c'est un compositeur ou un musicien, et puis hop, oh, putain, il tombe, et là, il se retrouve devant un meurtre, et les policiers, généralement, les poussent à enquêter, ce qui est totalement du foutage de gueule. Là, c'est un journaliste d'investigation spécialisé dans les enquêtes criminelles. Voilà, donc là, c'est un peu différent, surtout, et je pense que l'une des différences, c'est surtout que le film suit vraiment l'enquête. C'est vraiment une enquête policière classique, en fait. Et on est vraiment du point de vue de l'enquêteur, moins du point de vue des mecs qui vont se faire tuer, où il n'y a pas une menace qui pèse sur lui en premier. La menace, c'est vraiment, c'est lui qui va commencer à enquêter. Bon, alors c'est un petit milieu parce qu'ils sont censés un peu tous connaître. Donc bon, juste pour dire, voilà, il y a un meurtre. Au début, il enquête sur un mec qui s'est fait passer à tabac. Et ensuite, il commence à avoir un meurtre. Et à chaque fois qu'il y a un meurtre, il retrouve un gant avec un doigt en moins. Oui, en fait, c'est une espèce de riche héritière qui est en fauteuil roulant. Qui se fait tuer dans les 15 premières minutes du film, et on va dire que c'est ça qui est la deuxième amorce oui, du récit. Effectivement, d'abord il y a un mec qui se oui, construit ça dans un prend un peu tunnel. Plus de temps. On n'est pas sur le meurtre c'est premier de oui, les films d'Argento, c'est tout de suite. C'est pas le meurtre premier qui amorce l'enquête. Voilà. Même si c'est très bizarre parce qu'on commence le film par une vue subjective, ce qui a été Ouais. beaucoup utilisé, qui est très En joli d'ailleurs, fisheye. en fisheye, mais vachement plus exagéré que ce qu'on peut voir chez Argento, et avec la voix off, donc modifiée, parce que c'est toujours des voix off modifiées en radio, enfin en magnéto, quoi, et qui raconte un peu pourquoi il doit tuer tout le monde. Donc on commence quand même avec un premier pas sûr, on sait qu'il va avoir un tueur en série qui va se venger et tuer tout le monde, quoi. Et ensuite, on suit Franco Nero, mais vraiment du point de vue journaliste d'investigation, qui va. Voilà, c'est un journaliste qui couche beaucoup avec les suspects, mais bon, c'est Franco Nero, donc il Et peut il est le faire. alcoolique aussi. Et il est alcoolique. Il est alcoolique. C'est vrai. Mais il, bon, mais de temps en temps, il enquête. il a, il a une relation avec une fille qui doit avoir 20 ans, une petite blonde, et en même temps, il veut renouer avec son ex-femme. C'est ça, mais aucun problème de toute façon, parce que c'est Franco Et Nero. C'est les années Et c'est 70. les années 70, donc il Voilà, n'y a pas de donc. souci. Et non, le film est visuellement super intéressant, la direction artistique est très jolie, c'est vraiment l'Italie, enfin, c'est il y a un côté assez classe et assez sérieux. De toute façon, c'est vraiment pas un film très ironique où on le voir en décalé et tout. C'est un film plutôt premier degré. Moi, ce qui m'a plu avec ce film, c'est qu'on n'est pas encore dans la surenchère gore qu'on Oui. va avoir après. Donc, il n'y a presque pas de sang dans le film. Non, non. Très, 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 très peu. On met tout Mais vraiment c'est ta sur. raison, parce qu'on confond beaucoup de giallo avec scène Oui, gore et violence voilà. comme il y a chez Argento, où ça devient. C'est pas tant gore que ça devient Non, sadique, non, non, c'est-à-dire. non. C'est vraiment l'enquête Voilà, pure et dure, quoi, Argento, hein. vous avez des trucs ultra violents dès le début. Vous avez des mecs qui sont coupés au rasoir. Enfin, ça devient très, très vite assez hardcore. Alors qu'effectivement, chez lui, les mœurs sont assez simples, en fait. Il n'y a pas vraiment de. Simple, mais quand même assez remarquablement filmé. Genre l'assassinat de l'héritière, qui est une scène de tension où elle tombe par terre, où elle rampe sur le sol pendant un moment. La caméra, elle est vraiment mise à ras du sol pour suivre la femme. Donc c'est vrai qu'il y a des idées assez dingues de mise en scène. Musique de Morricone, hein, aussi. Oui, qui est super belle d'ailleurs. Oui, non, on est vraiment dans la suite, parce que c'était aussi Morricone sur les premiers films d'Argento. On est vraiment dans la suite. Clairement, le réalisateur, on lui a demandé de faire la suite de ce film, mais il arrive à un peu se décaler par rapport à Argento en reprenant tous les artifices d'Argento, donc musique de Morricone, même chez Fox, ce qui fait que effectivement la réal est super belle, même intrigue un peu comme ça policière, mais il en décale, il en fait un truc un peu plus du point de vue masculin et un peu plus
un peu plus sur l'enquête et un peu plus sur le suspense en fait. On a plus peur. C'est quand même un film où on a plus peur de ce qui va se passer pour les personnages que chez, par exemple, Argento, où au final, on est surtout sur savoir qui a tué qui en fait Oui, et de quelle manière. Surtout, tu te demandes si ce personnage-là, donc le personnage de Franco Nero, est-ce qu'il va arriver à résoudre son enquête parce que c'est un mec qui se trimballe tellement de casseroles. Tu dis, est-ce que le mec va arriver à. Parce que le mec doit gérer C'est vraiment, il devient le suspect Ouais, voilà, lui-même. il devient le suspect. Parce qu'il se fait une intrigue policière où le magazine, enfin le journal dans lequel il bosse, est en fait acheté par les méchants, voilà. Enfin, par les mecs qui se font tuer. Il y a un sous-texte industriel et Oui, tout c'est ça ça. dans le film qui est assez dingue. Alors, par contre, sans spoiler, les 15-20 dernières minutes sont absolument magistrales. Ça commence avec là, une scène où on a un gamin qui est enfermé chez lui, Oui, c'est là où ça joue vachement sur le suspense, voilà, en qui fait. ferme les stores. Visuellement, c'est assez splendide, ouais. Et le final, qui est une grosse, grosse poursuite. Alors, ouais, c'est ça que j'ai adoré dans cette C'est dingue. course-poursuite, c'est que cette course-poursuite est assez, comment dire, c'est assez, je me dis, c'est génial parce que c'est une course-poursuite que tu ferais plus maintenant, parce que c'est tout en silence. Il n'y a pas de musique. Bon, durant toute cette scène, il n'y a aucune musique. Et donc, c'est une course-poursuite où on n'en fait que entendre les bruits de pas, les mecs qui montent, les échafauds qui marchent. Et ça joue plein. Échafaudage. Hein? Oui, Échafaudage. les échafauds, non, pas les échafaudages. Échafaudage. Oui, ils seraient morts. Mais non, non, mais c'est très en silence, etc. Et ça fonctionne super bien, en fait. Ça fonctionne parce que tu as un renouvellement du décor tous les Oui, 3-4 ça. minutes en fait. On change d'ambiance parce que c'est une poursuite qui se déroule Oui, dans ça. Mais différents le endroits. fait de ne pas mettre de musique et de laisser la lenteur s'installer et le temps de la course-poursuite qui dure quand même, qui dure, 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 on se met dans une tension un peu qui n'a rien à voir avec plein de courses-poursuites qu'on voit dans pas mal de films d'exploitation où ils balancent une musique et tu t'attends juste que ça se termine, quoi. Voilà, enfin après on peut pas non plus trop déflorer le film parce qu'après ça couperait tout le suspense, mais ce titre-là est déjà sold out, rupture de stock sur le site Ouais, du chapitre alors moi je humain. pense que ça arrivera, ça va revenir très vite sur Amazon, etc. Il y a toujours des. Puis il y a des copies de toute façon à l'international qui sont trouvables. Oui. Mais en tout cas, l'édition que fait le chat qui fume est intéressante dans tous les cas. Le Oui, parce qu'il y a des bonus bah, de le Franco Nero en bonus. plus qui est Le intéressant parce que c'est bonus vraiment est génial. Le un bonus. acteur important du cinéma italien. Donc voilà. Non, lui, il en parle. En plus, il parle parce que c'est son pseudonyme, Franco Nero. Il parle, genre, il a eu deux, trois noms de scène avant de ch choisir Franco Nero. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et il n'y a pas de. Sans pas l'ego des mecs, on sent qu'ils en parlent tranquillement, posément. Non, ça faisait un peu famille, quoi. Oui, De toute façon, voilà. c'est ça qui est intéressant dans le bonus qui montre. On va passer au deuxième. Donc, l'affaire de la fille au pyjama jaune, qui est super, petite cause super longue. Et donc, maintenant, en France, on l'aurait appelé pyjama jaune. On aurait raccourci. D'ailleurs, le titre du film, en général, Oui. c'est juste La fille au pyjama jaune. Oui. Oui, c'est ça, oui. Et juste. Alors, c'est un film qui est à l'inverse du film d'avant. Donc, il est réalisé juste par Flavio Mogherini, qui est pas un réal très connu, un peu pareil. Mais film un peu plus d'exploitation. Ce qui est intéressant, c'est ça se passe en Australie. C'est adapté d'un vrai fait divers, apparemment. Donc, où en fait, il y a un meurtre d'une femme, mais une femme qu'on retrouve brûlée, quoi, le visage brûlé. Donc, personne n'arrive à identifier cette femme. Et l'enquête piétine, et donc du coup, les policiers auraient montré le corps en présence, ou en tout cas des photos du corps, au public pour que le public puisse identifier le corps et puisse aider l'enquête. Dans exposé, en fait. Et ouais, et donc là, dans le film, c'est un peu la même chose, sauf que là, ça part dans des délires assez hallucinants, puisqu'ils vont plus ou moins momifier le corps pour le mettre en vitrine et que le public, tout le public, les Australiens, puis tous allaient voir la fille morte et voir s'ils peuvent l'identifier, sachant qu'elle est nue, en sphère momifiée, et comme son visage est brûlé, s'ils peuvent la reconnaître, c'est que via des parties de son corps, donc des gens qui la connaîtraient, on va dire, intimement, quoi. Ça. Et alors ça, c'est l'idée la plus tarée du film. Sinon, le film en suit un enquêteur à la retraite qui va suivre un petit peu qui va suivre le parcours le scénario est vraiment intéressant parce qu'il suit l'enquête là-dessus et donc cette affaire où ils vont exposer le où ils vont exposer la fille en vitrine. Fille qui joue l'enquêteur est joué par Rémy Oui, qui est en Land. fin de carrière. Ouais, Waouh, oui, un petit là, peu. ouais. Ça fait partie de cette génération de vieux briscards Oui, c'est américains ça. qui sont partis en Qui sont partis Italie en Italie tourner des trucs. faire du film Parce de que le genre. film est censé être tourné en Australie, donc tout se passe en Australie, mais en fait on sent qu'il y a une journée qui a été une semaine tournée en Australie, puis le reste est en studio à Cinecittà, donc en Espagne, un peu en Italie, enfin voilà. Oui, et en même temps on suit, mais on sait pas trop, ils le disent pas, on suit l'histoire de cette fille en fait qui est morte,
mais en parallèle en fait. Donc en fait on a deux temporalités et on suit cette fille qui a une histoire d'amour, enfin plusieurs histoires d'amour parce qu'on a l'air que la fille est un petit peu Moi, ça s'appelle, très jolie d'ailleurs cette fille. Glenda. Ouais, elle est très très mignonne. Bah, c'est Dalila Di Lazzaro qui est assez connue, hein, qui avait fait pas mal de films de ce genre là avec une actrice à 60 ans, une centaine d'années. Et qui était assez connue apparemment en France. Alors et le bonus te casse parce que c'est pas elle qui est toute nue pendant tout le film. En fait. Non. Ils te disent que c'est une doublure. Là, là, t'es cassé. Ouais, c'est ça. Un peu vénère. Mais, bah, elle joue une fille libre, quoi. Qui a, ah, c'est qui une a... fille libre. Elle est libre, elle est libre, Max, quoi. Elle a trois relations en même temps dans le film. Elle a d'un côté, donc, Michele Placido, donc futur réalisateur de Romanzo Criminale. Qui est super intéressant, d'ailleurs, dans le. Voilà. Michele Placido, ouais, qui est réalisateur de Romanzo Criminale et qui est acteur aussi dans. Qui est le brun. L'italien brun immigré en Australie. Visage carnassier, un peu bizarre, ouais. Il y a un autre mec donc, qui est joué par un acteur italien qui s'appelle Howard Ross. Sauf qu'il joue un Hollandais avec des lentilles. Surtout, le film est totalement. C'est n'importe quoi en termes de comment on reconstitue l'Australie par les Italiens. Il bosse dans le verre, lui, c'est ça? Il est ouvrier, je crois. En plus, c'était un mec avec des yeux marrons et ils lui ont mis des espèces de lentilles de contact bleu-violette, donc ça fait qu'on a l'impression qu'il a les yeux sabre laser. Oui, c'est ça. Et elle a relation avec un autre mec qui a la soixantaine, un prof, qui est joué par Mel Ferrer. Alors, Mel Ferrer, qui était un grand acteur aussi, mais qui a fini aussi dans le bis italien à la fin des années 70. Et c'est vrai que le film est. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup ce film. Ah ouais. Et c'est un film, je trouve le scénario intéressant déjà. Mais qui est pas du tout jazz, c'est pas qui l'intrigue, c'est même pas qui a fait quoi, c'est comment on en arrive à avoir cette fille brûlée dans une bagnole à la fin en fait. Donc c'est une enquête un peu délirante, mais en même temps l'histoire est assez intéressante et Michele Placido est intéressant. Tu vois bien que ce mec il peut décoller et faire des choses intéressantes plus tard, parce qu'il joue vraiment un personnage qui va faire une connerie malgré lui quoi. Et en même temps, il y a cette histoire de femme libérée. C'est comme on dit, hein, c'est une femme libérée, mais c'est pas si facile. Hein, c'est vraiment le principe du film. Et donc, vraiment, elle couche avec tout le monde. Et c'est, alors, vous avez des longs passages où en fait tout le monde la regarde. Quoi. C'est la fille la plus belle d'Australie, quoi. Et genre, l'italienne la plus belle d'Australie. C'est ça. L'italienne la plus belle de l'Australie espagnole italienne de ce film. Et non, c'est assez taré. Alors bon. Et il y a deux scènes assez hallucinantes. Cette scène où elle est en vitrine, donc le corps est en vitrine momifié, et les gens marchent et traversent la vitre, et le réel filme à travers la vitre tous le public qui passe. Et dans le public, t'as des pervers, t'as des mecs qui viennent juste se rincer l'œil, t'as des coups, il y a des gens, un mec qui bouffe pendant qu'il la regarde et qui tourne autour et tout. Et ça se termine avec l'enquêteur, le bourru, l'enquêteur à la traite bourru qui arrive et qui fait mais vous êtes n'importe quoi et tout. Et c'est une scène géniale quoi, enfin, c'est une scène ultra fascinante qui est vraiment gênante, superbe très musique, belle en plus la musique. Ouais. Super musique de Riz Ortolani, donc le morceau ça s'appelle Il Corpo di Linda, parce que je l'ai écouté deux trois fois ce morceau. Non mais c'est très bien. C'est un morceau qui est un peu Moroder. De toute façon on est à la fin du giallo, et donc là c'est vraiment un des derniers giallo. Et à la fin du giallo, c'est-à-dire qu'on va arriver dans les années 80. Quoi, disco. Hein. Et donc, on sent que Moroder est pas loin. Et ah, mais c'est ça, parce que tu prends ce morceau-là et tu le compares avec I Feel Love de Donna Summer. Mm. On parle disco maintenant. Qui est donc la musique qui avait été composée par Giorgio Moroder. C'est un truc. C'est le même truc et c'est génial. Et ce morceau, il est juste. Mais il défonce. Le visuel, c'est bien. Et en parlant de disco, on a l'erreur du film. Non, ça, c'est génial. C'est l'erreur du film. C'est donc, ils se sont dit, parce que à l'époque, dans le cinéma d'exploitation, ils aimaient bien vendre un single en même temps, donc ils se sont dit, on va faire un single de la fille au pyjama jaune chantée en anglais, et ils se sont dit, quoi de mieux pour ça, pour avoir une femme libérée que d'appeler Amanda Lear. Du coup, la musique est faite par Amanda Lear, on a une chanson par Amanda Lear. Yellow pyjama. qui est infernale, mais enfin, elle est énorme cette chanson. C'est insupportable. Vous êtes générique de début. Oui, que sur ça. Où on a des plans de Sydney, soleil couchant et tout, et vous entendez la voix d'Amanda Lear. Vous voyez, chanson de Amanda Lear. Je crois qu'il y a deux chansons. Non, alors c'est ça le pire, c'est que je crois que c'est la même, mais j'ai pas vu la différence entre les deux, mais ils te la vendent deux fois, parce que c'est comme ils veulent vendre le single en même temps que le film, et on a le droit à deux passages super longs avec la chanson d'Amanda Lear. Bon, faut supporter. Mais bon, le film est quand même très bien. Et d'ailleurs, en deuxième chose, il y a un moment, le film part en road movie un peu chelou. À travers l'Australie. Avec la fille. Et la fille, à un moment, elle pète un câble, elle se barre sur les routes d'Australie et elle décide de se taper trois gros porcs dans une station essence d'Australie. En fait, c'est deux mecs et le troisième qui est un petit jeune. Qui est un petit jeune ado. Il mate. Ouais.
Et c'est une scène, mais hallucinante, qui est super longue, avec pareil la musique enfin à la Marauder. Et c'est une scène hallucinante. Et même toi, tu te dis, c'est pas mal, quoi, ça marche, mais c'est gênant. Enfin, et c'est une scène où elle se tape les deux, c'est ultra glauque. Et en fait, il fait que des plans très serrés en longue focale sur les mecs. Et puis les mecs, t'as un mot qu'il les a pas maquillés, c'est-à-dire. Il a des boutons d'acné qui sortent, un mot que ça va t'exploser au visage. C'est assez crade et c'est assez hallucinant comme scène. Et tu te dis, putain, c'est fou, il y a des scènes comme ça qui t'arrivent dans le. Surtout que ça, c'est une scène de passe, on va dire, qui arrive genre 10 minutes avant la fin du film. 10 minutes quoi. Avant la fin du film. Et ils font même, à un moment, ils tuent un des personnages principaux. Au trois quarts. Mais ça, comme ça se faisait à l'époque, hein, en général. Ces genres de mecs américains, ils sont là les deux tiers du film. Hein. Et on te vend l'affiche. C'est pour avoir un nom sur l'affiche. Alors tu sais très bien que ces mecs-là, ils sont là 3 jours et ils font des vacances en Italie. Mais apparemment, ça s'est bien passé. Apparemment, Remy Land était très sympa puisqu'on a, un bonus avec Howard Ross, acteur italien, je précise, qui joue le Hollandais. Donc c'est un mec super musclé et tout. Et il dit que travailler avec les Américains, c'était super parce qu'ils étaient très pros et ils faisaient pas de chichis. Mais c'est marrant, c'est que tu vois que le mec, il est pas du tout dans le milieu cinéma. En fait, ce qui l'intéresse, c'est manger, s'amuser. C'est ça. Il est juste un peu vénère parce qu'il n'est pas allé en Australie. Mais c'est marrant parce que du coup, tu vois un peu le côté un peu ultra-industriel, en fait, de ces films-là. Et le mec, il te parle comme si il disait, c'était génial, j'allais à l'usine, j'avais mes copains et on bouffait bien et c'était sympa, quoi. Là où on voit que le film, pareil, est relativement peu violent, mais là où on voit que c'est un film de cette époque-là, de fin des années 70, où on a les films de zombies, le film gore qui arrive, c'est que vous voyez le maquillage, vous le voyez pas longtemps, mais vous voyez le maquillage, enfin le visage défiguré de la fille au début, et vous dites, bon, bah là, je suis dans du Fulci, quoi, limite. Mais c'est quand même un film qui est assez sale, quoi, par rapport à l'autre, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette scène de passe, il y a aussi une scène de masturbation avec un espèce de clochard qui vit sur la plage, masturbe en regardant une fille au loin. Enfin, il y a des trucs un peu crado. Il y a une grosse scène de sexe au début aussi entre les deux filles. Ça c'est drôle parce que c'est moi, elle est avec son prof. Et elle dit, tu l'as vu la fille? Et tu dis, tu penses ça va être dans l'histoire? Et ça n'a rien à voir en fait. Donc, c'est juste pour te balancer une scène lesbienne. Tu te rappelles de cette fille? Ouais, elle est partie d'Australie. Ah bon? Et tu dis, et là flashback et tu vois les deux filles dans un truc super. Super brillant, sointant, un petit peu film érotique, genre Emmanuel, quoi. C'est ça. Et ils commencent à se discuter. Elle dit, en gros, c'est une fois on s'est caressé parce que on savait pas quoi faire. Soirée pyjama, d'où l'idée de la faire au pyjama jaune. C'est ça. Prétexte. Ça ne sert à rien, le prétexte pour te balancer une scène lesbienne, tu dis, ok, bon, pourquoi pas. Mais c'est drôle. Enfin, honnêtement, ce film est vraiment cool. Enfin, j'aime bien les deux, mais. Pour les gens qui ont vu un peu tous les dialogues et qui hésitent sur celui-là, celui-là est très intéressant. Bah, disons qu'on a deux itérations complémentaires du même genre. Ouais, c'est ça. Moi, j'avoue que j'ai une préférence pour celui avec Franco Nero, mais l'autre, je regardais le truc et j'étais fasciné par les ruptures de ton. C'est ça, oui. Tu te fais pas chier une seconde. C'est ça, les lieux qui changent, la musique d'Amanda Lear. C'est vrai que c'est surprenant. Mais déjà, quand tu vois le générique de début, tu dis, la musique d'Amanda Lear, tu fais, bon, là, je dis, je vais passer un super moment. Tu m'avais prévenu, donc du coup, j'étais moins choqué. J'étais là, je fais, j'ai fait ça. Ça, c'est assez inédit, ça. J'ai vu plein de trucs, mais les films avec la musique d'Amanda Lear, j'ai jamais vu ça. Non, mais c'est. Ah oui, c'est un mélange de goût assez. Dali a dû lui dire, ok, vas-y, va faire la musique d'Ali. Oui, allons, on va le faire ça. Allez-y, quoi. Allez-y. Non, en tout cas, c'est vraiment un film très intéressant, quoi. Moi, l'actrice, effectivement, elle a été connue un peu à l'époque. Moi, j'avoue, je ne la connais pas du tout, celle-là. Elle a un truc. Elle joue dans Cher pour Frankenstein, apparemment. Dalila Dilazzaro. Il me semble que dans Cher pour Frankenstein, elle joue la créature femelle. Mais bon, moi, vu que c'est un film que je déteste, je ne sais pas. Mais sinon, c'est effectivement. Et oui, Rizzotolani, c'est lui qui a fait Cannibal Holocaust, on disait, le compositeur. Rizzotolani. Ouais. Dont l'une des musiques a été utilisée dans Drive de Refn. Oui, exactement. Mais ça, et qui est mort il y a moins d'un an, un an et demi. Il est mort il n'y a pas très longtemps. Pas longtemps, ouais. Et c'est un compositeur assez taré, mais qui a fait des trucs ultra bis. Enfin, il a fait tous les films de Cannibal de l'époque. Mais c'est un compositeur effectivement très intéressant, ouais. En tout cas, voilà, tout ça pour vous dire. Donc, c'est chez Le Chat qui fume, les deux DVD. Pour l'instant, apparemment, c'est en rupture de stock parce ils ont mis du temps à. Il y en a d'autres qui sortent, là. Oui, voilà, il y en a des nouveaux qui sortent. On va essayer de voir, essayer d'en chroniquer d'autres parce qu'il y a des films très intéressants. Donc, essayez de jeter un coup d'œil là-dessus si vous n'avez pas pu les avoir. Peut-être qu'ils vont en ressortir d'autres numéros. Ou guetter sur Amazon quand ils vous. Si un jour. Enfin, sur Amazon, sur eBay ou d'autres, si ça ressort, hein, s'ils les remettent en vente. Parce que même si je pense qu'ils les ont achetés, il y a peut-être des revendeurs à Paris ou à Lyon, dans des
petites boutiques, ils doivent encore avoir les DVD. Hein. Oui, oui, parce que quand ils disent c'est en rupture de stock, c'est chez eux, mais ils ont forcément vendu des lots dans certains magasins. Oui. Donc allez, jetez un coup d'œil, et puis sinon, essayez de voir les éditions DVD à l'international, hein, il y en a toujours. Voilà. Même si c'est des superbes éditions, je le redis, donc chez Le Chat qui Fume. Voilà, ben, on se retrouve bientôt pour un nouveau œil dans le rétro. On ne sait pas encore sur quoi ça sera, mais ça sera rétro. Allez, à voir. Au revoir. Kidding. I haven't got any time to break in any newcomers. Why don't you do this boy a favor? You better back up, pal! Your move, creep.